Mes amis, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans cette vidéo. Il va falloir qu'on se dise la vérité. Et il va falloir aussi que je vous avoue quelque chose de très difficile pour moi parce que moi-même j'ai du mal encore à en croire. Je commande dans la catégorie qu'il y a du bruit dehors, je sais pas, les enfants jouent dans la cour, bref. Je commande dans la catégorie cœur, les amis. Oui, j'ai du mal à l'accepter. J'ai du mal à laisser mon cœur ouvert dans cette catégorie. Mais force est de constater que quand je commande dans des catégories normales, genre t-shirt, jean et tout machin, ça arrive, c'est petit. C'est petit. Je suis passée au niveau XL, 2XL. Je n'arrive pas à l'accepter, mais il faut bien que je m'habille. Je ne vais pas porter des habits serrés ou le midi, je suis obligée de détacher le bouton du jean pour pouvoir être à l'aise et tout. J'ai besoin d'être à l'aise ou avec des t-shirts qui remontent tout le temps parce que j'ai pris une taille. Il faut que je l'accepte. C'est très difficile, mais il faut que je l'accepte. Donc, j'ai commandé dans la catégorie curve de chez Shein. Et je vais vous montrer un peu ce que j'ai pris. Je n'ai pas pris beaucoup de choses parce que mon cœur était encore fermé. Je n'arrive pas, j'ai pris quelques petites choses pour passer l'étape, voilà, pour accepter. Mais j'espère que ça va m'aller. Si ça ne me va pas, je serai au bout de ma vie. Déjà, quand je vois l'ampleur du tissu des vêtements, je me dis, il y a beaucoup de tissu. Il faut l'accepter. Et j'ai des formes. Donc, quand je grossis pas seulement du visage et tout le reste. Je grossis de tout le corps et surtout des hanches et des fesses. Voici mon problème, les hanches, les fesses, le ventre, alors n'en parlons plus. Je pense que j'aurais même du mal à vous montrer certains vêtements parce que j'ai du ventre en fait. J'ai du ventre, je ne suis pas enceinte, mais j'ai du ventre. Et je parais enceinte parce que je suis gonflée. Je fais de la rétention d'eau. Ici au Maroc, il fait déjà quand même assez chaud. Quand il fait chaud, je fais de la rétention d'eau. Je gonfle. Et voilà. Donc pour toutes celles qui me souhaitent félicitations sur les réseaux sociaux, dans mes vidéos YouTube, je suis enceinte d'eau. On va d'abord se crémer le corps parce que je sors de ma douche, en fait j'ai fait mon maquillage. J'ai fait une autre vidéo que je pense que je vous ai déjà postée avant celle-ci. Donc j'enchaîne en fait les vidéos aujourd'hui. C'est une journée productive les amis, productive. Donc là je vais mettre la crème, donc c'est ma crème à l'huile d'argan et de coco de chez Natural Glow. Je vous mets le lien juste en barre d'infos et puis voilà, c'est ma marque quoi. Allez commander, c'est des produits pépites, vous voyez mon teint, c'est ça. Je mets que ça sur mon corps, sur le corps des enfants, sur tout le monde, ça va à tout le monde. C'est vraiment de la crème de coco et à l'huile d'argan. Je vais en mettre sur tous mes jambes partout pour ne pas être toute blanche là. Et mon teint, il est canon, n'est-ce pas? Il est canon. C'est Natural Glow, savon noir, crème, tout ce que vous voulez. Mes produits viennent de là-bas. Donc j'en mets partout. Et on va commencer les essayages. Est-ce que je commence avec les robes? On commence le défilé de mode par cet ensemble fait pour la maison. Donc c'est un 3 pièces avec haut, pantalon et petit shorty. Le shorty que je n'essayerai pas, bien évidemment. Et c'est grand. Vous voyez bien que franchement, j'ai pris du L en fait. Mais c'est quand même assez grand au niveau des hanches et tout. Alors que moi, je pensais qu'avec mes fesses, ça allait suffire. Mais non. J'ai aussi pris ce t-shirt col V qui est tout aussi grand. En fait, je pense que je me vois vraiment grande. Là, j'ai pris du XL, il me semble, hein, pour ce modèle-là. Et pour moi, le XL allait m'aller. Parce que tout ce que je prends pour les autres t-shirts normaux, ça me sert au niveau des bras. J'arrive pas à bouger les bras dans les t-shirts longs et c'est assez gênant. Donc je me suis dit bon et hop, on va passer au XL. Mais franchement, je trouve que c'est quand même assez grand. Cette robe à rayures, elle est canon. Par contre, j'ai pris du 2XL. Je pense que c'est vraiment trop grand, mais c'est parfait pour l'été. J'aime trop, ça tombe bien sur les hanches. La taille, elle est parfaite. Elle est assez longue. On peut mettre avec des sandales qui traînent par terre. Parfait pour l'été. Je pense que celle-là, je vais la saigner. Je dois la reprendre au niveau des épaules, vous voyez, c'est un petit peu grand. Mais franchement, c'est une des pièces que je préfère dans cette sélection. Une robe un peu plus classe pour les soirs d'été parce que le tissu est quand même assez lourd. Donc voilà, pour mettre en pleine chaleur, ce ne sera pas possible. En plus, c'est les manches longues. Mais j'aime beaucoup la couleur. Je pensais que le green n'allait pas m'aller autant, mais finalement, j'aime beaucoup. C'est pas serré. Je crois que là, j'ai pris du double XL aussi. J'ai mis des talons pour vous montrer un petit peu comment ça donne. Mais j'aime beaucoup. Ça ne montre pas trop de mes imperfections au niveau des fêtes, la cellulite et tout. Donc le tissu, il est quand même assez lourd. Donc je pense que ça peut être bien pour des personnes qui sont un peu plus en forme que moi. Ça va vraiment bien épouser votre forme et c'est vraiment parfait pour quand il fait un peu frais.
Mon Dieu, que cette robe, elle est belle et classe. J'ai pris du XL aussi. Ça tombe parfaitement bien. Ça ne montre pas les imperfections. Et franchement, il y a des pépites. Je vous assure, il y a des pépites. Regardez-moi cette fente, comment elle est belle. Le blanc et le noir, ça fait pas trop. Je me suis dit que ça allait être trop cheap et tout. Mais franchement, j'aime beaucoup le tissu. Ça ne montre pas mes imperfections. Vous voyez comment le ventre est quand même assez camouflé. Et franchement, j'aime trop. Je me sens trop à l'aise dans des trucs comme ça, assez amples, qui ne soulignent pas toutes les formes. Parce que c'est assez gênant quand on est devant du monde et qu'on porte une robe serrée. Et là, franchement, parfait. Une autre robe aussi que j'ai beaucoup beaucoup aimé, là je pense que j'ai pris vraiment trop grand, je crois que je l'ai pris en double XL aussi, il me semble. Ah non, c'est du XL, mais c'est aussi une des pièces que j'aime beaucoup et j'aime vraiment bien. J'avais pas fermé les manches de la chemise, mais fermé bien. Déjà, j'ai mis 30 minutes pour repasser ça. Sachez que vous allez avoir du repassage si vous l'achetez cette robe, parce qu'elle n'est pas du tout facile à dompter le tissu. Mais c'est trop beau, la ceinture aussi vient souligner la taille, les boutons. Franchement, tout est bien fait quoi, dans cette robe. Et je pense que c'est une robe assez qualitative au niveau du tissu, des finitions. Trop bien, franchement trop bien. Je me vois vraiment la porter le dimanche pour aller à l'église, aller à un brunch. Franchement, parfait. Un ensemble chemise à manches longues et pantalon. Ils disent sur le site que c'est la couleur kaki, mais moi je vois du beige en fait ou du blanc cassé. Je vois pas du tout de kaki, mais en tout cas trop bien pour les soirs légers. Le tissu est assez léger. Je trouve que le pantalon est assez transparent, mais la chemise est longue, donc ça tombe sur les fesses, donc ça cache quand même assez bien au moins la moitié de mes fesses, donc on voit pas tout. Mais c'est vraiment, le tissu il est vraiment très léger, donc parfait pour des jours vraiment de chaleur. Ici au Maroc, franchement, quand il fait chaud, il fait vraiment chaud, et quand on veut quand même bien s'habiller, c'est assez compliqué. Donc j'aime trop le tissu, c'est vraiment très léger, ça fait vraiment été. Et ça aussi, ça coûtait pas cher, et je pense que j'ai pris du XL. Ensuite, j'ai pris un pantalon et un haut. Le haut, je l'ai pris en XL, col V. Et le pantalon, je l'ai pris en XL aussi. Mais vous voyez qu'il est serré. Même du X. En fait, j'ai l'impression que ça dépend. Il y a d'autres XL qui sont grands. Et là, j'ai pris du XL et c'est serré, je vous assure. Peut-être que, je ne sais pas. C'est la coupe peut-être qui fait qu'il fallait que je prenne du double XL. Mais je ne suis pas du tout à l'aise là-dedans. Et je me suis encore gourée dans la taille. Mais le haut, j'aime bien. Il ne remonte pas. Et parce que les hauts que j'ai souvent, ils remontent et tout. C'est trop désagréable de porter quelque chose qui remonte où vous n'êtes pas à l'aise. Donc là, franchement, parfait. J'ai aussi pris cette robe en mèche. Ils disent que la matière c'est du mèche, je ne sais pas ce que c'est, mais pour moi c'est de la dentelle noire à pois, grande taille. En fait, mon idée c'était de mettre ça sur une robe noire assez longue, on va dire genou, à manches courtes. Parce que les robes noires, quand je les mets, en fait, on voit trop mes imperfections, c'est-à-dire mon ventre, les plis dans le dos et tout. Je trouve que c'est vraiment pas joli. Et ça vient un peu masquer, ça vient un peu cacher tout ça. Et le but, c'est vraiment de masquer toutes les imperfections, quoi. Là, c'est pas le outfit parfait pour vous montrer cette petite robe à pois, mais je vous montre un peu comment, voilà, j'ai l'idée de porter ça. Vraiment, vous venez camoufler tout ce qui est disgracieux quand je mets une robe moulante noire. Et maintenant, je vais rajouter ça au-dessus. Je pense que ça va vraiment le faire. J'ai aussi pris un t-shirt tout simple, New York, col rond, beige. Je ne sais pas pourquoi il m'a plu. Voilà, j'aime bien. Et ça tombe bien. Il est assez long. Ça couvre mes fesses. Et ça ne montre pas trop mon ventre. Puisque vraiment, je pense que mes deux complexes, c'est vraiment le ventre, les fesses et les plis dans le dos. Et tout ce que je peux prendre pour cacher ou camoufler du moins ça, franchement, je prends. Et il me fallait vraiment des grands t-shirts comme ça à mettre avec un jean ou un pantalon slim. C'est vraiment parfait. Comme ça, l'attention n'est pas attirée par le ventre, les fesses et tout ça. Donc, c'est parfait. J'ai aussi pris ce coupe-vent tout noir. Donc, c'est à capuche. Parce que le matin, quand je sors pour aller au boulot, il y a encore un peu de vent. Il fait encore un peu frais. Je ne voulais pas quelque chose de très chaud. Je voulais vraiment quelque chose qui te protège du vent, tout simplement. Et ça, c'est parfait. Ça tombe bien sur les fesses. Donc, ça cache les fesses, ça cache le ventre. Je peux fermer sans que ça me fasse des bourrelets. Donc, c'est vraiment parfait pour ce que je voulais. Je voulais un ensemble jogging. Vous savez, ce qu'on lance sur soi le samedi matin pour aller faire des courses rapidement.
Et j'ai trouvé cet ensemble-là, mais je pense qu'il est aussi beaucoup trop grand. Mais moi, j'aime bien quand c'est grand, en fait, parce que je suis vraiment à l'aise dedans. Je n'ai pas les traces du jogging sur le ventre et tout, parce que je ne veux pas quelque chose qui me serre. Mais mon mari, il n'aime pas du tout. Là, du coup, il me faisait la remarque, mais ça, c'est quoi ça? Pourquoi tu as pris ça? Je ne comprends pas pourquoi tu as choisi ça. Mais il ne sait pas que j'aime trop être à l'aise pour pouvoir aller faire les magasins et tout, et être ça. Moi, je trouve, moi, franchement, moi, j'aime bien. J'aime bien. C'est grand, j'avoue que c'est grand, j'aurais dû peut-être prendre un L, mais là j'ai pris du XL et j'aime bien, ça cache tout ce que je veux cacher, donc voilà, pour moi c'est parfait. Voici ma petite sélection. On a fini les essayages, dites-moi, j'espère que ça vous a plu. J'ai préféré faire une voir et faire un défilé. C'est le Shein Sprint, c'est des occasions en ce moment qui est sur le site Shein. Je vous mets le lien en barre d'infos et tous les vêtements que j'ai choisis en barre d'infos aussi. Vous pouvez directement cliquer et aller sur le vêtement. Essayez de prendre direct votre taille parce que vous avez vu, il y a pas mal de vêtements dont c'est un peu grand. Franchement, je crois que je me vois plus grosse que je ne le suis. En vrai, mais bon, voilà, j'espère que ça vous a plu. Regarder tout le bordel après voilà, essayage. Elle aussi là qui est en train de vivre sa best life, qui essaie tous mes habits, qui essaye mes chaussures, qui porte tout, qui aime les slippers, qui aime les pelles se maquiller et tout ça. En tout cas, on s'est bien amusé. Maintenant, il faut tout ranger. Quelle heure il est? Il est 14h. Je pense qu'il faut commencer à préparer les trucs du futur. Tu veux manger quoi? Attends Nawal, laisse-moi passer. Est-ce que tu peux m'aider à ranger Nawal s'il te plaît? Tu prends genre toutes mes chaussures, tu mets là-bas. Tu veux bien? Ah ouais. Tu fais quoi? Et porter les chaussures. Attention, pardon. Tu as mis les chaussures? Fais voir. Ça te suffit? Oui. Ah waouh, c'est joli. Joli comme ça. C'est joli. Très joli. Tu as mis le gant aussi? Oui. Incroyable. Et ça aussi? Oui. Magnifique. Magnifique. Tu vas m'aider à ranger? Oui. Merci beaucoup de m'aider à ranger. Bon, j'ai mangé. Nawal aussi a mangé. Elle va faire la sieste. Il est quelle heure? Comment? Il est 15h. Les garçons vont venir là. Pour les horaires du Ramadan, pour le karaté, ils font 13h, 15h. Donc ils vont revenir, là ils vont manger aussi. Ils vont faire une petite sieste, au moins 30-45 minutes. Le temps que moi je vais préparer pour le ftour, la coupure du Ramadan. Je te fais de la bouillie, c'est tout? Tu as ton bouillon, non? Je mange que la bouillie. Tu as quoi? Tu as ton bouillon et quoi? Oui, bien bien. Ben oui. Il n'y a rien à manger. Ben, je fais les visites, je fais les bénis, tu as que non. Tu m'as dit non. J'ai parlé. Comment aussi la fatigue va me prendre là vraiment? La fatigue de te prendre sur quelle base? Sur quelle base de quoi? Donc moi je n'ai pas le droit d'être fatigué. Pourquoi la fatigue pour la caméra. Bon, on a fini de se prendre la tête. Donc maintenant, okay. Je peux reprendre ma vidéo. Je peux reprendre ma vidéo. Tu souffres dans cette maison. Tu souffres quoi? Donc tu mets pause pour me boum là, après tu remets play. Bon, en tout cas, je ne sais pas quoi cuisiner. Voilà le truc, voilà le problème ce soir. J'ai rien sorti, tout est dans le congélateur, je ne sais pas ce qui est dans le congélateur. Je ne sais même pas. On verra, je vous amène avec moi cette journée et puis demain pour l'anniversaire de Youssouf. Du coup, demain, on n'ira pas à l'église parce que avec les horaires de Ramadan, tout est décalé du coup. On ne peut réserver que le stade de 10h à midi. Bon, les garçons sont rentrés. Vous enlevez d'abord vos kimonos avant d'aller manger, d'accord? D'accord. Ok. D'accord. Donc voilà, je pense que je dois me poser. Peut-être on va regarder un film jusqu'à 16h, 17h. Et après... après on verra. Donc je disais que demain c'est l'anniversaire de Youssouf. On va au parc, ils vont jouer. Donc ce soir, je suis en mode cuisine. Gâteau, crêpes. Les crêpes, je les fais demain matin. Je vais pas faire les crêpes le soir, ça va être chelou. J'ai ça aussi. De toute façon, je vais devant... Ou je fais la pâte ce matin, je fais les crêpes. Je fais la pâte ce soir et je fais les crêpes demain matin. Oui, je pense que je vais faire ça. Donc on a prévu des crêpes, des gâteaux. On va prendre un plateau de salé chez Paul avec le gâteau aussi chez Paul. Après là, comme les magasins ouvrent tard, on ira ce soir acheter
tout ce qui est bougie et tout ça et tout ça et tout ça. Bref, petite organisation pour un petit truc. Ils seront combien les enfants demain? 2, 4, 6, 12, 3, 9. Il y aura 9 enfants quand même, hein. Bref, en tout cas, voilà. Je me repose un peu et puis on reprend la journée. Je continue de tourner avec mon téléphone parce que mon appareil photo n'a plus de batterie. Donc, on va mettre... Non, je ne sais pas. Oui, je vois cache-cache, il s'est peut-être caché. J'essayais d'arranger le problème de batterie de mon appareil photo. Là, j'ai perdu du temps. Là, je pense qu'il est déjà pratiquement 18h. Donc, j'ai 30 minutes pour mon repas. Ce que je vais faire, c'est que je vais lancer la sauce. Après, je vais m'attaquer à la bouillie. Et le bouillon est déjà prêt. En fait, il faut juste que je le réchauffe comme ça. Il ne sera pas en retard pour couper. Là, en ce moment, toutes les ménagères du Maroc sont à la tâche. Là c'est l'heure du rush dans les cuisines. J'ai toujours un fond de ma sauce verte dans le frigo. Donc ça, je la prépare pour moi une semaine pour assaisonner tout ce qui est viande et tout. Je mélange vraiment basilic, ail, oignon, gingembre, tout ça. J'écrase bien. Le jansan, c'est la type en Côte d'Ivoire. Le jansan, je mélange tout et je mets ça là-dedans. Ça me permet vraiment d'assaisonner toutes mes préparations. Ah bon? Oui. Et on peut dans la chambre? Oui. La recette de cette bouillie, c'est ma belle soeur Koumsoumi qui m'a écrit ça. Donc, coucou, cool. Donc, ici, j'ai mélangé la bouillie de. Attendez, je lave mes mains, je vais vous montrer. La bouillie de maïs. Hein. Vous voyez, la bouillie de maïs comme ça, avec du lait et de l'eau. Donc, on fait tout fondre. Tout ça doit fondre. Et. De ce côté, on a l'arachide blanc écrasé là. Ouais, l'arachide blanc écrasé que j'ai aussi mis dans l'eau. Et je fais tout fondre. Je vais mettre tout dans la sauce là. Un petit cube. Mets là-dedans. Pourquoi tu tournes ici? Oui, tu peux te mettre là, mais. Après, tu vas faire l'autre. Il me faut les trois. D'accord? C'est l'arachide qui est dur en fait à mélanger. Il faut vraiment mélanger dans l'eau pour que ça devienne quelque chose de très fluide et c'est un peu dur. Voilà, donc je tamise bien, j'enlève tous les petits grains qu'il peut avoir dedans. Le récipient que j'ai pris, le rouge, il est trop petit. La bouillie se mélange en tout cas plus facilement que l'arachide. Voilà, la bouillie est mélangée avec le lait et de l'eau. Je viens tamiser aussi le tout. Donc voici mon mélange de arachide, eau, lait et bouillie. Je viens mettre du sucre. Alors lui, il boit ça sucré. Hein. Donc j'en mets vraiment, vraiment. Je ne regrette pas la quantité. C'est dommage que ma caméra s'est arrêtée. Je crois qu'il y a une meilleure lumière que ma caméra là avec mon téléphone. Lui, il va commencer à faire noir. Plus ça va être compliqué de filmer parce que ça va vraiment être sombre dans la cuisine. Maintenant, il faut tourner avec le feu très très bas. Je vais préparer mon citron. Est-ce que j'ai du citron? Je vais préparer du citron puisque quand ça va commencer à devenir un peu lourd, je vais presser quelques grains de citron à l'intérieur. Je cuisine beaucoup avec mon commis de cuisine Raphaël, mais alors Seigneur, qu'est-ce qu'il bavarde. Quand il est là, je pense que je ne m'ennuie pas du tout. Il me raconte tellement, tellement de choses. Et ses journées, et ce qu'il a lu dans les livres, et ce qu'il a vu. Donc souvent, je l'appelle pour qu'il vienne me donner un petit coup de main. Raphaël, tu viens tourner la bouillie?
que t'as? Je n'ai pas compris. J'ai mal au dos. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai mal au dos. Asya, bouge ta droite. Ça va. Yusuf, tu l'as fait quoi? Elle avait touché le bout de la tête. Hein? Elle avait touché un sac. Tu lui as fait quoi? C'est ma question. Tu lui as fait quoi? On est à quelques minutes de son retour de foot, donc il va d'abord venir me faire un débriefing de tout ce qui s'est passé au foot, ensuite manger les dattes, rompre le jeûne et aller se laver ou se laver d'abord et rompre le jeûne, ça dépend à quelle heure il va arriver. On va arrêter le début, même là dans les heures, on est venu. Laissez-moi, envoyez-moi le ballon, envoyez-moi le ballon. Ah non, la balle. Tout, il ouvre le ballon. Deuxième pour essayer, il glisse, il tombe de loin, voilà, deuxième, voilà. Oui, oui, oui. Ça va les enfants? Oui. Papa, Demain on va jouer au match, moi, et Raphaël Lawal. D'accord. Alors, moi, je me demande d'abord. Finalement, il va d'abord aller prendre sa douche avant de venir manger. Ça me laisse le temps de bien faire bouillir son bouillon. Je fais toujours casser le jeûne avec un bouillon assez léger, petites carottes, les haricots verts ou petits pois. Et de la viande et du pain et la bouillie. La bouillie, il y a parfois un peu de riz dedans ou pas, comme ça quelque chose de moins lourd. Et après la prière, c'est là qu'il mange vraiment, vraiment le repas que j'ai fait, le truc bien lourd quoi. Papa, il est là. C'est toi qui as fait la bouillie, non? Oui. C'est toi qui as fait la bouillie, papa dit que c'est bon. D'accord, merci. Oui, c'est chaud, soufflez bien. On est en train d'aller au supermarché faire les courses parce qu'on s'est décidé hier pour faire un petit anniversaire à Youssouf. On a fait le menu que tout à l'heure là. Du coup, on n'a pas tout à la maison. Donc on va à Marjane pour prendre ce qui nous manque. La liste est où? On a pris. C'est toi qui es là. Donc on y va. Mais on est KO. Franchement, il est quelle heure? Il est 20h. Il est 21 et quelques. On est KO. Mais on va quand même faire les courses pour que demain tout soit prêt. Pour pouvoir aller au pique-nique. On est arrivé dans le grand Marjane qui est au quartier High Riyad. Les horaires du Ramadan sont aménagés. Ils ferment à minuit, mais il y a une coupure entre 18h et 19h30, il me semble. Comme ça, ils ont le temps d'aller couper et de revenir ouvrir le magasin. Donc là, on va choisir des ballons, des bougies au numéro 5. Voilà, c'est plus simple comme ça pour nous. Quelques petites décorations. C'est quand même assez cher, 45 dirhams, c'est 4,50€, 3,50€. Bref, ça monte vite, surtout quand on s'est décidé un peu à la dernière minute. On ne savait pas trop quoi prendre, mais il y a beaucoup de trucs pour les filles et pas beaucoup de choses pour les garçons, je trouve. Hein. Mais bon. Bon, pour les bonbons, je pense qu'on va partir sur ça. Est-ce que ça pique? On va partir sur ça. Les bonbons comme ça. Et puis des Haribo. Hein. Les basiques. Les Haribo. Il y a des petites choses qui ne manquent jamais aux anniversaires, donc tout ce qui est chips, boissons, coca. Il y a à peu près 9 enfants, dont 3 grands, il me semble. Les autres, c'est que des petits, on a pris des jus de fruits. Et là, je vais leur faire des quatre croûtes, en fait, des croque-monsieur, dont on a pris de la charcuterie et du pain de mie. Ça y est, on passe à la caisse et on rentre. Bon, on a fini. On rentre à la maison. Ranger toutes les courses, il faut que je fasse la pâte des crêpes maintenant, il faut que je fasse les gâteaux aussi pour que demain voilà tout soit prêt quoi, parce que je ne vais pas me lever à je sais pas quelle heure. Donc,
Bon, maintenant, on va faire le tour de Rabat pour trouver le gâteau d'anniversaire. On avait déjà choisi un chez Paul. Je crois qu'il s'appelle le Royal. C'est au chocolat noir. Mais on va avoir du mal à le trouver ce soir-là. En plus, c'est à cette heure-là qu'il y a des bouchons. Donc, il est pratiquement 22-23 heures. Tout le monde est dehors. Les restaurants sont ouverts jusqu'à 2-3 heures du matin. Il y a vraiment full dehors. Et c'est vraiment une ambiance vraiment de Ramadan. Tout le monde est dehors à cette heure-là. Donc, on va faire au moins 3 pôles avant de trouver le gâteau que l'on veut. Et avec les parts, le nombre de parts que l'on souhaite. On cherche un gâteau en particulier, on cherche le Royal en 8 ou 6, en 6 ou 8 parts. Ils n'en ont pas ici, donc on va regarder dans un autre pot. Moi j'aime bien celui-là, mais il ne veut pas. Donc c'est parti pour faire le tour. Finalement, après avoir fait 3 pôles, on a décidé de le commander pour venir le récupérer le lendemain matin. Donc, ils vont nous faire un 8 parts et on écrit son nom pour qu'il puisse l'écrire au chocolat sur le gâteau. Comme ça, demain matin, 11h, il sera prêt et c'est parfait. Bon, je préchauffe mon air fryer et je vais faire les deux gâteaux là. Ce sera le même goût gâteau yaourt. Vraiment, le air fryer, je ne peux plus m'en passer. Là, j'ai fait les gâteaux. Le reste de la pâte, j'ai fait des petits cupcakes en fait. Et je vais mettre tout au four. Je mets le minuteur et quand ça s'arrête, ce sera prêt et moi je serai déjà au lit parce que je ne veux pas me lever au bout de 20 minutes pour venir regarder ça. Mais c'est vraiment, vraiment parfait cet appareil et ça me sauve la vie pour toutes mes préparations. Ça y est, c'est le lendemain. Je ne suis pas sûre que j'ai dormi beaucoup. Il doit être 7h, 7h30. On doit être au terrain de jeu pour 10 heures. Donc, il faut que je fasse les crêpes, les sandwichs salés. Donc, je vais faire des croque-monsieur. Et il faut que j'emballe tous les gâteaux et tout ça et que je prépare bref, les enfants, moi-même et tout. On a donné rendez-vous à ses amis à 9h45 pour pouvoir y aller au plus tôt parce qu'avec les horaires de Ramadan, tout est décalé. Donc du coup, on commence plus tôt et on finit aussi plus tôt. Bref, là, je vous mets un petit peu vitesse rapide, mais ça m'a pris au moins 2 heures. Mais au moins, tout était prêt à temps et on a pu être au stade à temps. Merci infiniment pour votre fidélité sur ma chaîne. La fin de ce vlog, je vais vous mettre le TikTok que j'ai fait pour son anniversaire. Puisque je n'ai pas filmé la suite, vous retrouvez la suite des aventures sur TikTok dans ce Natural Glow Beauty avec 2 Y à la fin. Et j'ai fait un petit montage pour qu'il garde quand même un souvenir de cette journée. En tout cas, ça s'est très bien passé. Il faisait hyper chaud ce jour-là. On a eu la chance d'avoir du bon temps. Et c'était vraiment une très belle journée. Donc, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais plein de bisous. Et je poste encore une vidéo cette semaine. Gros bisous et à bientôt. Bye. Mini vlog pour l'anniversaire de Youssouf qui avait 5 ans ce dimanche 17 mars. On a décidé d'organiser un anniversaire avec ses amis de l'école. Les amis de Raphaël et de Nawal aussi étaient de la partie. Donc, il y avait environ 8 enfants. On arrivait réserver un stade au parc Hassan II de Rabat. Il faisait hyper chaud ce dimanche-là. Franchement, on avait dans les 25-30 degrés. Et alors, il n'était que 10 heures. On était déjà pratiquement à 25 degrés.
On a fait un petit buffet, on a cuisiné, je me suis levée très tôt le matin pour faire des gâteaux, des crêpes, tout était fait maison. Les enfants, ils ont tellement apprécié. Alors, on a décidé de faire vraiment un après-midi très, très, très sportif. On a précisé aux parents des enfants qu'il fallait qu'ils les habillent en sport parce qu'on allait beaucoup bouger. Tout le monde a participé, mais moi qui n'aime pas trop le foot, franchement, j'étais à fond sur le terrain. Nawal était notre goal. Bon, notre équipe a quand même encaissé 3 buts, mais on s'est pas mal défendu. Ensuite, il y a la mi-temps, bien évidemment, tout le monde se rafraîchit. Ensuite, on a soufflé le gâteau. Il était trop content. Je pense que c'est la partie qu'il aime vraiment souffler le gâteau. Il était trop content. Donc après, on a mangé le gâteau qui était très bon. On l'a pris chez Paul directement au chocolat. Super. Il a eu ses cadeaux. Il a fait des câlins à ses amis. Ensuite, on est parti du parc après avoir fait des photos. On a décidé d'aller à Royal Kid puisque vraiment, il faisait très chaud. On n'avait pas envie de rentrer à la maison. On est parti avec les enfants à Royal Kid. Il y avait à peu près 8 enfants et nous, les adultes, on était 3 ou 4. Et c'est 90 dirhams par enfant pour 2 heures. Et les parents, ils rentrent gratuitement. On s'est bien amusé, mais nous, on était claqués. On avait déjà envie de rentrer. Il était 17h, on n'en pouvait plus depuis le matin. Mais les enfants, franchement, se sont super bien amusés. Je pense qu'il a quand même kiffé son anniversaire. Voilà, je vous laisse avec ces belles photos de la famille.